Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintée qui présente quotidiennement la course du Quintée du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 28 mai 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix du crépuscule. Deuxième course de la Réunion 1, où 15 trotteurs âgés de 5 à 10 ans en dégoudront aux alentours de 17h30. Un magnifique Grand Prix parisien européen sera à l'affiche sur la cendrée de la Grande Piste parisienne. Le parcours emprunté par nos chevaux de niveau groupe 3 voire plus sera celui des 2100 mètres. Bien évidemment, le départ donné à l'aide de l'autostart facilitera une course rythmée puisque tous vont occuper une bonne place dès les premiers mètres de course. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 15, Violetto Jet. Ce pensionnaire de Fabrice Souloir reste sur une belle victoire obtenue sur cette même grande piste de Vincennes. S'il est planqué à proximité des leaders à l'entrée de la ligne droite, il va assurément terminer vite. En deuxième choix, le numéro 6, Détroit Castellet. Il a retrouvé son niveau d'antan puisqu'il reste sur deux très belles deuxièmes places. Déféré des quatre pieds et bien placé derrière la voiture, c'est logiquement la chaleur. En troisième choix, retrouvons le numéro 13, Brillant Madric. Il reste sur une disqualification et il ne faut pas la prendre au pied de la lettre, bien au contraire. Malgré sa position en deuxième ligne, il peut renouer avec les bonnes performances d'emblée. En quatrième position viendra le numéro 5, Éclat de Gloire. Loris Garcia le trouve en parfaite condition physique le matin et comme Eric Raffin commence à le connaître sur le bout des doigts, il faut logiquement le retenir entrée au rang. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Calacron. Pour l'occasion, c'est Gabriele Gelormini qui sera son partenaire. Restant sur une probante victoire où il a magnifiquement sprinté pour finir, il peut se sortir de sa position en deuxième ligne à la corde pour jouer une place dans les 5. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 3, Frisbee Dame. Avec ce représentant de l'entraînement de Richard Westering, tout sera simplement une question de sagesse. En avant-dernier choix, le numéro 11, IDS Boko. Paul Agort et Robin Baker sont un tandem redoutable et lorsqu'ils viennent à Paris-Vincennes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 1, Eridan. Ayant beaucoup de vitesse, si Cédric Théry arrive à lui faire prendre un bon départ avec l'as à la corde, il peut logiquement espérer un bon chèque. En cas de non partant, le numéro 7, Colonel, confié pour la circonstance à Dominique Locneux, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1€ sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi après-midi, Turf Sélection indique de nombreux trios gagnants, dont un affichant un rapport de 2621€. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur cet abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintée et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.